la seule statue des jardins qui représente Louis XIV est une statue équestre de l'artiste italien Le Bernin. Cette œuvre a bizarrement été exilée en dehors du pourtour des jardins, près de la pièce d'eau des Suisses. C'est la direction sud, la direction du château de Chambord, autre emblème de la monarchie française. Un cheval sur une flamme, mais cela évoque les salamandres de Chambord, emblématiques du feu. Ainsi, l'œuvre de Louis XIV prolonge-t-elle celle de son prédécesseur François Ier? Sur un plan ésotérique, Louis XIV se pose en héritier d'Hermès, le dieu de l'hermétisme, la science des initiés. Il reçoit le caducée, emblème d'Hermès, tandis que la déesse Athéna se tient à ses côtés, à gauche, avec un projet d'architecture. Voici Neptune, le dieu des eaux, des océans, le dieu de l'Atlantide, continent légendaire qui aurait existé avant notre humanité. Sa compagne Amphitrite est à ses côtés. La créature monstrueuse qui est derrière Neptune n'augure rien de bon. Neptune est le dieu des catastrophes maritimes et des tremblements de terre. Il va bientôt détruire l'Atlantide d'un coup de trident. Vu exactement de face, le trident de Neptune apparaît comme une fourche à deux dents. On découvre à Versailles un dieu dont l'emblème est la fourche à deux dents. C'est Pluton, dieu des enfers et du monde souterrain, donc de la mort et des secrets enfouis. Dans le bosquet de la colonnade, Pluton enlève Proserpine. Cet enlèvement évoque une pose de danseur. Louis XIV était un passionné de danse, et dans ses jeunes années, un danseur quasiment professionnel. C'est probablement la raison pour laquelle, à Versailles, la danse porte une facette du code. Ce tableau représente une scène antique où Louis XIV est distribué dans le rôle d'un roi atlante, comme en témoigne le trident qu'il arbore. Le commerce maritime, la prospérité, la guerre victorieuse, tout ceci est bien adapté à la civilisation des Atlantes, telle que nous l'ont raconté les auteurs grecs. Le roi Soleil s'identifiait au dieu solaire Apollon,
dont le groupe statuaire occupe une place majeure dans le jardin, sur l'axe médian. Par rapport à la course du soleil, le char est orienté à l'envers. Pourquoi ? Et pourquoi la composition évoque-t-elle parfaitement Neptune, si ce n'est l'absence du trident ? Où se trouve-t-il le trident de Neptune ? Le salon d'Apollon est la pièce la plus somptueuse du château, la salle du trône. Au plafond, le char d'Apollon est représenté, mais pourquoi le jeune dieu a-t-il l'air si peu à son avantage ? La salle des gardes de la reine nous montre des scènes de la vie d'une humanité à la peau verte, une race antérieure à la nôtre, son âge d'or et sa fin brutale. Le centre de la salle des gardes est le point d'amarrage d'un alignement très intéressant. Cette ligne passe sur un personnage vert de la galerie des glaces. En architecture, un homme qui porte un entablement se nomme un Atlante. Celui-ci est le plus typique de toute la grande galerie. La ligne se prolonge ensuite vers une statue du parterre d'eau, une nymphe ou divinité des eaux. Elle nous montre une carte marine telle que devaient en posséder les navigateurs de l'île Atlantide. Un livre de cartes se nomme un Atlas, alors que le premier roi de l'Atlantide était un fils de Neptune qui se prénommait Atlas. L'enfant souffle dans une conque, imitant ainsi le comportement de Triton, le fils de Neptune. L'alignement se conclut au nord, sur le bosquet des bains d'Apollon, et plus précisément sur la grotte. Une grotte ou caverne est un lieu souterrain, de cache, de dépôt. Mais revenons à notre Atlante de la galerie des glaces. Il est le support d'un autre alignement, incluant Neptune, le dieu de l'Atlantide. On ne trouve que deux représentations de Neptune dans la galerie. Les têtes des trois personnages sont sur la même ligne. Comment le seul hasard pourrait-il l'expliquer ? Les tableaux de la Galerie des Glaces représentent les hauts faits de la première partie du règne de Louis XIV. Mais alors pourquoi tous les personnages portent-ils des costumes à la mode antique ? En réalité, les scènes figurées sont allégoriques et donc sujettes à l'interprétation. Un tableau mural porte le titre suivant : La Hollande accepte la paix et se détache de l'Allemagne et de l'Espagne. On voit des femmes qui ont peur de la colère du ciel, dans lequel un ange souffle dans une trompette, alors qu'un éclair zèbre le ciel. C'est l'Apocalypse qui est suggéré. D'autres tableaux de la galerie évoquent une annonce apocalyptique, symbole de la destruction brutale d'un monde ancien. Le jardin de Versailles comporte plusieurs statues de Cérès, la déesse de l'été. Elle est toujours affublée d'une gerbe de blé et d'une faucille, souvent cassée, ce qui en fait l'allégorie de la moisson. Dans le contexte catholique, la moisson correspond à la fin de la civilisation. La terre sera moissonnée quand des fléaux destructeurs s'abattront sur le monde. Le bassin des couronnes nous montre d'étranges êtres couchés dans l'eau. Avec leurs jambes de poisson, ils sont des tritons de la famille de Neptune. De
Ne seraient-ils pas les habitants mythiques du lac Tritonis, situé en Libye ? Platon affirmait que les Atlantes avaient colonisé la Libye. D'après Diodore de Sicile, le lac Tritonis disparut brutalement dans un tremblement de terre. Ces tritons pétrifiés font penser aux victimes de Pompéi, figées dans la roche pour l'éternité. Le philosophe grec Platon a sa statue dans le jardin. C'est lui qui a le premier parlé de l'Atlantide, dans le Timée et le Critias. Il a donné de multiples détails sur la vie des Atlantes et sur leur fin tragique. L'île fut engloutie par les flots de l'océan en un jour et une nuit. Platon est discrètement tourné vers deux vases avec lesquels il est aligné. Un vase porte en décoration un trident. Tandis que l'autre vase est décoré du char de Neptune et Amphitrite. Dans le bosquet des rocailles, appelé aussi la salle de bal. L'avant-corps du château présente 12 statues qui sont les allégories ou personnifient les 12 signes du zodiaque et aussi les 12 mois de l'année. Les deux premières statues sont bien celles de janvier et février, mais inversées, ce qui est illogique. Février correspond au signe des poissons et janvier au signe du Verseau. À notre époque, nous vivons la fin de l'ère des poissons. Époque cruelle dans laquelle les hommes maintiennent les poissons hors de l'eau. Les pauvres bêtes se meurent, c'est leur fin. Bientôt viendra l'ère du Verseau, âge de renouveau, retour de l'âge d'or. L'eau de la vie sera à nouveau versée par un enfant innocent. Mais cette eau versée peut aussi être perçue comme une prophétie apocalyptique, un nouveau déluge. Lors de la transition entre les poissons et le Verseau. Le Verseau, comme c'est étrange. Voici le groupe de la renommée du roi. Une femme ailée, allégorie de la renommée, maintient un portrait de Louis XIV, tandis qu'elle écrit de l'autre main les hauts faits du règne du roi Soleil. Elle écrit sur un livre porté par le temps. Mais pourquoi les personnages sont-ils tournés vers la statue de Platon ? Et qui est l'homme moribond, couché par terre ? La prétendue renommée du roi fait la jonction entre les écrits de Platon et la royauté de Louis XIV. Elle a beaucoup à nous dire. Dans le salon qui porte son nom, Hercule ne peut pas être debout sur son char. Dans la chapelle du roi très chrétien, pourquoi l'arche d'alliance et le trésor du temple, symbole de la religion israélite, sont-ils fortement représentés ? Pourquoi Louis XIV porte-t-il son sceptre à l'envers dans son portrait préféré ? Au parterre de l'Atone, pourquoi trouve-t-on des hommes batraciens ? Pourquoi le poème satirique a-t-il une jambe plus longue que l'autre ? Pourquoi est-ce que tout est agencé pour mettre certains nombres et certaines lettres en valeur ?
au carrefour des philosophes. Pourquoi le héros Ulysse est-il là, alors qu'il n'est pas un philosophe? Et pourquoi Platon n'y est-il pas? Parterre d'eau, pourquoi la nymphe à la perle est-elle la seule à être tournée dans le sens inverse des autres statues ?